Bonjour et merci de visionner cette vidéo. Nous allons vous y expliquer comment monter une attache rapide Vematec au balancier d'une excavatrice. Avant d'aligner l'attache rapide sur le balancier, nettoyez bien les trous de fixation. Fixez ensuite les raccords au vérin hydraulique. Installez l'attache rapide sur une surface plane et propre, suffisamment résistante pour en supporter la charge. Veillez à ce que l'essieu avant se trouve du côté de l'excavatrice et à ce que la goupille de l'excavatrice soit enlevée. Si l'attache rapide pèse plus de 40 kg, nous vous conseillons d'utiliser un engin de levage et une élingue pour la mettre en place. Avant d'insérer l'axe de godet, placez d'abord deux anneaux en caoutchouc à l'intérieur de l'attache rapide avec un peu de graisse. Vous pouvez ensuite mettre l'attache rapide en place dans la fixation du balancier. Insérez l'axe de godet et utilisez des rondelles pour limiter éventuellement le jeu. Vous devez maintenant aligner la biellette avec l'attache rapide, puis insérer l'axe de la biellette. Ici aussi, utilisez des anneaux en caoutchouc et éventuellement des rondelles pour limiter le jeu. Enfin, fixez les tuyaux hydrauliques au vérin de l'attache rapide. L'attache rapide est prête à être utilisée. Nous vous conseillons de vérifier les traces d'usure, les déformations et la présence de fissures sur l'attache rapide hydraulique toutes les 500 heures de service ou au moins 2 fois par an. C'est tout pour cette vidéo. Pour plus d'informations sur la fixation et l'utilisation de l'attache rapide, consultez le manuel d'utilisation. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous l'avez trouvée utile? Pensez à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos de ce type sur notre chaîne YouTube. Bon travail !